Hey tout le monde, c'est Secundes, c'est parti pour le 7ème épisode que je décide quand même de tourner juste après, même s'il fait 40 degrés à l'ombre. On est parti, on va sous le sanctuaire de terre et de lave. Donc un mini-niveau préféré, je vous avais dit. Oui voilà, là c'est le vrai sanctuaire, si vous voyez, la petite cinématique au début. Bienvenue dans la salle du conseil des petits êtres. Splendide, tu as assez de lumières pour passer. Nya, 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 nya. Prépare-toi à découvrir un nouveau monde. Encore la porte de la vérité, mon dieu. Qu'est-ce que je vais perdre cette fois-ci? Mon cerveau? Mais j'en ai pas. Ça, c'est ce que m'aurait dit Kazu. Mais bon, allez, dépêche-toi d'ouvrir cette putain de porte, c'est la troisième fois que tu le fais, tu vas pas hésiter. Voilà. Fais pas tant timide. En plus, c'est des points en or. C'est super bling bling ce mec. Mais oui, c'est un ventilateur au fond. Où suis-je? Il y a plein de lave. Je ne devrais pas sauter dedans. Il y a des ronces. Je ne peux pas aller dedans. Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh! Des lucioles! Ah bah tiens, t'es là toi. Tu peux te téléporter, mais c'est moi qui fais tout le boulot, oui, encore une fois. Rayman, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. J'ai arraigné la synergie pour te donner un pouvoir. Ouais, power up! Level up, level up, level up! Level up! Un nouveau pouvoir! J'ai déjà des points en or, qu'est-ce que ça peut être? Youpi! Tu peux désormais voler avec ton... Ouah, classe! C'est pour ça que c'est mon niveau préféré. La mauvaise nouvelle, c'est que ta quête sera plus dure. Oui, on m'avait prévenu, je vais quand même rouler sur ce jeu, donc c'est pas grave. Alors un conseil, sers-toi du vol en hélico. C'est ça ta mauvaise nouvelle? Ça active l'hélico, puis une glace-cul enfoncée. Presse le pour te déplacer de côté, ce sera plus facile. Ok, merci. Eh ben c'est cool, on peut voler. Là, elle se téléporte encore. Youhou, je vole. Hop, là on va pas tout de suite là-dedans. Parce que comme vous l'entendez, il y a une cage. Par là. Faut arriver à passer par là sans se faire toucher par la lave, c'est assez chaud. Oula, 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 oula. C'est bon, ça passe. Avec un gros plan sur ce mur. Alors là, ça pue. Ouais, voilà. Ça pue. Là, je sens qu'il va y en avoir un deuxième. Même pas. La cage est là. Eh, c'est mort, les lumes s'y viendront même pas à moi. Hop, 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 hop. C'est cool, voler, vous avez vu? Hélicoptère, hélicoptère! C'est un vrai hélicoptère. Sauf qu'il n'a pas une autre hélice dans le cul, mais sinon... Enfin, on sait pas, il a même pas de cul, en fait, Rayman. Donc... Bref, on a de dire des bêtises. Tiens, il a repopé. Meurs. Et on va là-dedans. Hop, 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 ouh, le bug de caméra. Aïe. Si je me mange les murs, c'est bien parti. Ok, je me prends déjà deux coups, comme ça, en 3 secondes. Hop, hop. Bon, bah, j'ai perdu point de force. Ok, je suis mort. Ok. Ok. D'accord, la suite de ma quête sera plus dure. D'accord, je veux bien. Oui, c'est dur. Ah, putain. Il y a une mouche, lâchez-moi. Alors, quand je me prends les murs ou le plafond, je prends juste un peu de dégâts, mais quand je touche le sol, je disparais. Toi, putain. Non. Bon, c'est pas grave. D'accord, à mon avis, je peux même pas les tuer, ceux-là. Ça fait chier. Ce couloir de ronces, quoi. Oui, comme vous voyez, c'est un ventilateur. Qui dit ventilateur plus cheveux dit vous partez envahi. Là, je vous jure, je touche pas aux flèches, hein. C'est le ventilateur qui me fait avancer. Allez, passe, passe. Ouh, c'est petit, mais ça passe.
Ouh, encore des mouches, ah, lâchez-moi, lâchez-moi. Ouh, la lave. Le lumière, vite. Ouh. Ok, on passe. Là, on fait gaffe au piège. Vite, 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 dépêche-toi. Te fais pas cramer la gueule, te fais pas cramer la gueule, tu vas te faire cramer la gueule, même pas. C'est bon, maîtrise, je maîtrise. Quand je chante comme ça, je vais louper plein de lune. Regardez-moi ces couloirs, quoi, il y a de la lave partout. Bon, un truc qui s'appelle le sanctuaire de terre et de lave, c'est normal, mais quand même. Ouh, une porte. Enfin, un mur. Un mur-porte. Et pas un mur-porteur. Oh, oh, c'est joli ici. Je sais pas vous, mais je trouve ça joli. Et où cette porte? Ok. Arrête-toi là. J'ai pas loupé un truc. Non. Ya. Accroche-toi. Il va y avoir un truc ici. Oui, avance. Voilà. Allume. Et il y a une cage en dessous. Je sais pas ce que vous l'avez vu. 69. Ouais. Marque que je n'ai pas fait de blague merdique, sur ce chiffre. Vous pouvez me féliciter. Faut sans doute appuyer là-dessus. Ouais, voilà. Pour taper sur le sol, lâchez-moi. Ah oui, je me souviens. Normalement. Ouais. Il était bien caché celui-là. Oh, allez, on respire un peu. Voilà. Ya. Ou pas. Ya. Ou pas. Ouais, j'arrête de faire le con. Ou pas. Allez, on est parti. J'ai l'impression de pas m'arrêter de parler, là, ça fait bizarre. Ah, mais c'est le lieu de l'écran de chargement. D'accord. Ouah, oula, il y a du vent, là. Et là, je vous dis, je pousse vers le bas, histoire de pas partir en vrille. Là, si je fais comme ça, voilà. Donc c'est là que je peux vraiment louper des lumes. Attention, le rouge. Ouh, c'est bon. Putain, les chutes de lave, quoi. Et c'est de la lave fluide. Ouh, je vais me prendre le bout là. Non, c'est bon, ça passe. On voit bien la tête de Rayman, comme ça, il a l'air content. Ya, ça passe pas. Va, tu as toute notre confiance. Je sais. Et vous pourriez même pas m'aider, vous, avec vos techniques de téléportation, de pluie, ou de je sais pas quoi. Non, non, faut aller déranger Dieu, encore. Et mourir, encore. Fonce, Rayman! Ouais! Allez, c'est parti. Oh non, ce que vous venez de voir subrécitement pendant une seconde, ce n'était pas une salle, c'était un bug d'affichage. C'est pas passé loin. Yot, slalom. C'est bon. Je vous dis, c'est tendu comme niveau, là. Mais c'est cool de voler, vous voyez? Je vole. Je vole comme un petit oiseau. On va passer par là, c'est plus sécuritaire. Oh putain, c'est moins sécuritaire ça par contre. Le petit trou, encore un petit trou. Attention, fais attention. Rayman, c'est pas l'enfant, tu fais gaffe. Il y a trop de lave là. J'avais les pieds qui frôlaient la lave là. Le mec s'est cramé le pied. Il a fait un barbecue avec son pied. Alors là, c'est là que je peux me louper. Non, non, passe, 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 passe. Oui, ça passe. Oh, la première fois, je suis passé à toute vitesse ici, j'avais loupé. Parce que vous voyez, il y a quand même deux cages là. Et de la vie en plus. ...39 sur 50, ok. Je me demande si j'en ai vraiment pas loupé quand même. Ok. Allez, on vole jusque là-bas. Eh ben j'en ai oublié, hein. On recommence. Oh, waouh, 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 waouh. D'accord, je réapparais dans les airs. Quand même. Les mecs se font pas chier, quoi. C'est le mec qui oublie comme ça, il réapparaît sur la lave. Blouf. Oups. Bon, c'est bon, là on peut y aller. Et on n'oublie pas le petit Dumps ici.
Viens là, toi. C'est bon, 40 sur 50. Ah oui, voilà, d'accord, je me souviens, je me souviens. Faut pas que je loupe celui-là. Non, 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 non. Non. Bon, je le récupérerai en off, vous savez où il est. Par contre, il se passe quoi, là? Ouais, c'est refermé derrière. Il y a la musique de boss, c'est quoi de bordel? Oh! Derrière toi, Rayman! Non! Il va te frapper! Oh! Date mandale quand même, il va être écrasé, tu vois, mais non. Je ne peux plus voler! Eh ben bravo, c'était servi. Eh ben c'est parti, combat de boss. Fouch! Gardien des sanctuaires de terre et de lave! Mayday, mayday! Fuis, Rayman, il va te brûler! Non, sérieux! Je crois qu'il voulait m'inviter au resto, tu vois. Ouh, aïe 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 aïe, ouille. Ouah. Au secours. Profite un peu de la musique. La stalactite. La stalactite. Je l'ai eu. Aïe. Ouh, putain, j'ai enlevé pas mal de vie. Waouh. Ouah, 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 ouah. J'ai failli tomber dans la lave. Eh. Ouh, il essaie de m'avoir là. Il envoie des barres verticales. Aïe, merde. Meurs. Alors, la statique, il saute exprès sur lui, toi. Casual, casual. Ouh, il va me cramer, il va me cramer. Mais non, tout ce qu'il demande, c'est un peu d'amour. Et un barbecue chez mamie aussi. Je peux être transformé en merguez, s'il te plaît. Meurs! Ouh! Un luxe violet. Il a pas voulu que je m'accroche. S'il te plaît. Alors là, je vais pas vous montrer, mais vous verrez qu'il y a un bug de terrain qui fait qu'il est symétrique. En gros, là, il y a un luxe violet, mais il y en a un autre là-bas qui est aussi apparu. Et le terrain est exactement le même de l'autre côté. C'est bizarre. Et on peut peut-être y aller à partir de là. Oui. Là, vous voyez, c'est exactement le même terrain. Et avec le même luxe violet qui a rien à foutre là. C'est un truc qui m'a toujours intrigué. Bon. Il y a une flèche qui me dit d'aller en bas, donc on va aller en bas. Ya pao. Oh. Aïe, mes pieds. Ouh, j'ai mal aux pieds. Ah, allez. On va récupérer un masque. Il a pas l'air content, ce masque. Téléportation. Je vais faire un petit coucou à Dieu, faire un petit poker avec lui. Ah là là. Félicitations, tu as trouvé le troisième masque. Encore un masque et le miracle s'accomplira. Wow, wow. Quel magicien ce Colocus. Va, FPV. Ah, il s'emmerde même pas là, c'est bon, c'est hop. Donne-moi ça, dégage. Merci. Ouais. Bonus level, access déné, je sais. Et ben, je vous retrouve tout de suite pour le access granted. À tout à l'heure. Heureux, voilà, je vous avais dit access granted. On est parti. Et j'ai mis que 10 minutes à retrouver le Lux. J'ai failli plein de fois. C'est parti. Ah, c'est la course de base. C'est bien ce que je pensais, hein. C'est en fonction du nombre de PV quand on finit le niveau. Donc moins t'as de PV, plus c'est dur. Bravo, tu es un merveilleux supporter, regarde ce que Rayman a gagné grâce à toi. En 23 secondes 66, lol. De la vie et des points de force. Même pas de points de force. Parfait. Ça m'arrange. Allez, la voie des portes. Le sauvegarde, oui.
Donc le prochain niveau, le tombeau des anciens avec un gros poulet zombie qui passe bien devant la caméra. Ouh, ouh. Ça va faire très très peur, c'est un tombeau. Ouh. Ou pas. Bon allez, merci d'avoir regardé la vidéo les gars, ça me fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir quand vous la commentez et quand vous l'aimez aussi, je dis ça comme ça. Non allez, je rigole, mais faites-le quand même, c'est cool. Abonnez-vous si vous l'avez pas fait. Partagez-la, parce que c'est bon. Moi j'aime bien quand il y a des gens qui regardent mes vidéos. Le mec qui fait de la lèche, tu vois. Non, je rigole. Partagez-la si vous voulez, hein, je vous oblige pas. Encore. Ouais. Ah, allez. Et là, je vous préviens, c'est la dernière ligne droite du jeu. Il reste 4 niveaux avant qu'on finisse le jeu. Et celui qui vient après, le tombeau des anciens, je vous préviens, il reste peut-être d'être en 3 parties. Tellement il est long. Donc vous inquiétez pas, il y a encore du temps. Allez. Je vous dis à la prochaine. Et c'est tout.